Je me souviens que peu de temps après avoir eu mon permis, je me suis retrouvé à emmener ma mère partout où elle devait aller. Je me souviens que pendant ces trajets, elle me posait une tonne de questions sur ma foi. À l'époque, j'essayais de me faire une idée de ce que je croyais. Je connaissais pas mal de choses sur Jésus et la Bible, mais j'avais encore quelques questions. Avec le temps, ma foi s'est affermie. Mais je dois avouer que j'ai dû faire face à de sérieux doutes. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Ma mère voulait vraiment que je croie, parce que ça comptait beaucoup pour elle. Ça peut compter pour beaucoup de gens de notre entourage. Et quand il nous arrive d'être moins stable dans la foi, on peut parfois avoir l'impression de les décevoir. Mais le doute est toujours allé de pair avec la foi. Et ce sera toujours le cas. C'est normal, ça arrive. Et c'est quelque chose que le christianisme conçoit. Allez-y, poussez. Après sa résurrection, Jésus est sorti du tombeau et il est apparu à ses disciples. Enfin, à la plupart de ses disciples. Quand ils l'ont vu, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Leurs larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Ils ont vu les trous dans ses mains et son côté. Ils ont entendu sa voix et ils ont retrouvé la foi. Un des disciples manquait à l'appel. Il s'appelait Thomas. Dans les jours qui ont suivi, les disciples sont allés voir Thomas pour tout lui raconter, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient ressenti. Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je n'y croirai pas. » Bien trop souvent, quand les gens évoquent cette histoire, ils sont durs et injustes envers Thomas. Ils le surnomment Thomas l'incrédule et disent qu'il aurait dû se contenter d'obéir et de croire. Mais mettons-nous à sa place. Si toi ou moi perdions un proche et que notre famille venait nous dire « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, il est de retour, il était mort, mais il est revenu à la vie. » Ce serait bizarre si tu ne trouvais rien d'autre à dire que « C'est cool. » Ta famille ou tes amis se demanderaient aussitôt « Mais ça t'intéresse au moins ?» Sans le voir de tes propres yeux, tu aurais du mal à le croire. Et ce ne serait pas par manque de foi, mais parce que tu aimes tellement cette personne que tu ne veux pas courir le risque de la perdre une deuxième fois. D'espérer, puis être déçu. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Thomas. C'est son cœur qui parlait. Ce n'était pas qu'il était anti-Jésus. Il voulait revoir Jésus et croire de nouveau. Il ne voulait simplement pas le perdre une deuxième fois. Et Jésus s'est montré extrêmement bienveillant envers Thomas. Il lui est apparu en personne et ne lui a reproché à aucun moment de ne pas croire. Il ne lui a pas donné une liste de raisons pour lesquelles il aurait dû croire. Il a simplement dit « Regarde, touche mes blessures, touche les endroits où ont traversé les clous. » Il a donné à Thomas une nouvelle chance de croire, d'espérer de nouveau. J'aime le fait que Jésus ait choisi la compassion plutôt que la critique. Le Dieu qui s'est fait homme et est allé jusqu'à mourir pour nous, a montré ses cicatrices à Thomas pour le rencontrer là où il se trouvait. Il a dit aussi, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. » Quand Jésus a dit cela, c'est à nous qu'il pensait, aux gens de notre génération. Il expliquait qu'il sait combien il est difficile de croire, combien il est difficile d'espérer. J'aime beaucoup cet échange avec Thomas. Je pourrais facilement être à sa place, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Jésus donne à Thomas la liberté de ne pas avoir à prétendre qu'il n'est pas en proie au doute. Il lui donne la permission d'être honnête, d'assumer ses doutes, de poser des questions et de chercher des réponses. Dans un sens, on ne saura jamais à quoi ressemblait Jésus, puisqu'on n'était pas là il y a 2000 ans. Mais on a la chance d'avoir 4 récits historiques retraçant sa vie, qui nous donnent une idée de son incroyable gentillesse et son immense amour. Même les historiens ayant vécu pendant l'Antiquité le décrivent ainsi. Les historiens Pline et Lucien le présentent comme un homme sage et un enseignant très respecté. Flavius Joseph, quant à lui, parle de ses œuvres merveilleuses. Certains disent que Jésus n'était rien de plus qu'un homme sage, un grand professeur d'éducation religieuse. Mais aucun homme sage n'a jamais prétendu avoir l'autorité de pardonner les péchés comme Jésus l'a fait avec la femme adultère. Et aucun homme sage n'a prouvé connaître sans qu'on lui souffle la vie de dizaines de personnes dans les moindres détails comme Jésus l'a fait avec la femme souffrant d'hémorragie. Et aucun homme sage n'est ressuscité des morts
puis parti à la recherche de son disciple, le plus sceptique et attristé, pour lui montrer ses mains et ses pieds meurtris et lui chuchoter « Crois-moi, c'est vrai !»